Yo tout le monde, comment ça va bien? Vu le contexte du confinement, hier j'avais prévu de poster une petite vidéo. Je me suis dit il n'y aura pas d'ayant droit vu que c'est une vidéo bio. Le film La Belle Verte de Colin Serrault. Elle est originaire de pas loin de Thouars, l'HP où je vais d'habitude. Alors je me suis dit normalement ça devrait passer le film. Et en fait non, au bout d'une demi-heure, je me fais striker, réclamation. Et vous savez pourquoi? C'est Canal+ qui fait la réclamation pour l'effet spécial qu'il y a un moment quand ils utilisent la boule pour décoller de leur planète. Là. Juste pour cet effet spécial, Canal+ fait des réclamations. Donc c'était juste pour vous dire, confinement oblige. Hein, j'ai pas été judicieux, hein, les droits d'auteur comme d'hab. Mais ce que je vais faire sur cette vidéo, je vais poster dans le lien là où vous pourrez aller voir le film. Parce que désormais, on n'a que ça qu'à foutre. Hein. Donc voilà, c'était une petite vidéo vite fait. Et puis ben voilà, je vais avancer, je pense, on va aller se promener, vous parler de 2-3 trucs. Hein, que déjà, chaque jour, on graisse les rouages d'un système déjà fort grippé. Il suffira d'un ultime grain de sable pour l'enrayer. Car il n'y a pas plus fou qu'une normalité qui pense avoir raison. Hein. Ça, j'arrête pas de le dire. Hein. Et je le pense. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. Et mais qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Au moins qu'elle fasse un petit peu de temps la vidéo, que vous ayez cherché dans les liens. Hein. Merci à Coxy, hein. Coxy's Experience XP, il se reconnaîtra, qui a plusieurs chaînes. Hein. Il tasse m'a tué, voilà. Et c'était juste comme ça, petit coucou. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter d'autre? Vous avez vu ouais, ce qui se passe là? Ça y est, là c'est parti. Ils vont nous confiner total, hein. C'est bien ce que j'avais dit. Hein. Ticket de rationnement, on va être confiné totalement, on pourra même plus sortir. Alors, moi, même si j'habite à la campagne, pour promener le chien, vu que j'ai pas de cours, faudra qu'il chie dans la baraque, le chien. Fin de la gaffe, faudra qu'il chie dans la baraque. Bon, ouais, pourquoi pas. Ça va être la fête, non? Ils se foutent bien de notre gueule, hein, tu vois. Le monde capitaliste a foutu le bordel. Les Français ont dit non en 2005 à l'Europe. Ils nous ont enchaîné le traité de Lisbonne, les gopés qui vont avec, qui vont bien avec. Mais non, on doit continuer à tolérer tout ça. Moi, je pense que c'est pour ça que je vous conseille le film La Belle Verte, hein, qui est un film pour moi de science-fiction d'anticipation, même si c'est un oxymore. En fait, elle ne s'est pas trompée de beaucoup, l'ami Colin Serrault, qui a fait après un autre film, je ne sais pas si vous connaissez, c'est Solution locale pour un problème global. Celui-là, il est pas mal aussi, mais c'est plus un documentaire. Et il est pas mal, quoi. C'est sur l'agriculture. Donc les seuls conseils que je peux vous donner c'est préparez-vous. Je veux pas être pessimiste mais on est parti pour un moment. On est parti déjà pour une durée de un mois minimum, voire plusieurs mois quoi. Voire certains les plus complotistes disent des années. Bon bah, si c'est des années, faut déjà se mettre en tête que ce que j'avais pu parler, c'est-à-dire la RFID, les smart cities, la crypto-monnaie, on va y venir parce qu'en fait. Ils prendront pour prétexte que l'argent liquide, ça propage des maladies, tu vois. Ils diront, ah oui, mais on va arrêter l'argent liquide, parce que vous voyez bien, ça propage des maladies, des pandémies. C'est à cause de l'argent, tu vois. Les poignées de porte, elles vont être en quoi? Elles vont être en nanotechnologie, les poignées de porte, ouais. Non, mais ils nous font marrer. Donc ouais, c'est surtout une petite vidéo pour vous dire que hier, ben ouais, je me suis fait striker au bout de 30 minutes, alors que je pensais pas, j'avais fait deux découpes dans la vidéo. Et je pensais pas, toi, j'avais enlevé le début et machin truc. Et en fait, ils ont striké sur les deux time codes de où il y a la boule. Tu vois, c'est ceux qui connaissent le film. Le seul effet spécial du film. Donc, je pense pas que c'est Colin Serrault qui veut pas que son film soit sur les réseaux. C'est Canal+, en fait. Juste pour un effet spécial. T'imagines, un vieil effet spécial pourri aujourd'hui qui a mal vieilli en plus. Bon, il passe crème dans le film parce que c'est le seul, mais un vieil effet spécial que tu peux faire avec Windows XP, quoi. Une vieille boule. Enfin voilà. Petite vidéo comme ça, tranquille. On est combien là? Je sais plus. On est à combien? Parce que Walking Dead, là, il y a une nouvelle saison qui est sortie sur Netflix. Alors je sais pas si c'est de la synchronicité ou du trollage. Mais sortir la dernière saison en France, juste au moment du confinement, quand même. Là, ils vont fort. Là, ils vont fort chez Oncle Sam. Ah ouais, Oncle Sam, il est fort. Oncle Sam. À chaque fois, c'est un génie. Il prémédite en amont ce que toi, tu n'avais même pas pensé, quoi. Hein, tu vois, c'est ça. Et puis, le jour où tu te le dis, mais en fait, eux, ils ont 25 ans d'avance, quoi. Ayam l'avait très bien expliqué. Hein. Quand tu allais, on revenait. Hein. Enfin, là, ça va être comme d'hab, hein, Gloubi Boulga. Mais c'est juste pour poster le lien, je vous dis. Ceux qui ont du temps à perdre, regardez des films. Je vais vous poster une plateforme où il y a justement La Belle Verte.
qui n'ont pas les moyens d'avoir Netflix ou Amazon ou Disney Plus ou machin, eh ben voilà quoi, vous pourrez aller voir jusqu'à avant qu'elle ferme, parce que d'ici peu ça se trouve ils vont nous fermer toutes ces plateformes pour que on aille acheter des IPTV, tu vois, exprès pour consommer tout le temps, tu vois. Non mais je vous le dis, on va vers ça, Smart City, RFID, crypto-monnaie, IPTV, etc., etc., quoi. Hein, bientôt, un arbre, il devra mander pour pousser, quoi. Ça va être ça, quoi. Non, mais c'est une folie. Bon, mais je sais pas, on va aller faire une petite balade, du coup, quoi. Perdre un peu de temps avec vous. Mais le lien, il marche. Hein. Enfin, il marchait jusqu'à tout à l'heure, mais voilà, quoi. Donc, s'il y a des gens qui ont du temps à perdre, de toute façon, vous avez que ça qu'à foutre. On est tous confinés. In fine con, mais tous confinés. Allez, viens, Naga, on y va. Putain, heureusement que j'ai un chien, moi. Sinon, je pourrais même pas sortir de mon appart alors que je suis en pleine campagne. Non, mais déjà, rien que sortir, ça fait du bien. Tu respires. Puis tu peux ramasser des fleurs. C'est ce que je compte faire demain, là. Ramasser quelques fleurs. Bon, ben, les pissenlits, vaut mieux les ramasser avant qu'ils fleurissent. Après, là, il y a de la pâquerette. Hein. Des pâquerettes en février, normal, il a fait 20 degrés. Pâquerette, c'est moins fort que la camomille, mais ça, tu peux les prendre, quoi. C'est pas comme les marguerites. Les marguerites, c'est un peu plus toxique, quoi. Après, il y a aussi des primes verts. J'ai vu, il y a pas mal de primes verts. Et il y a de la petite arnica aussi. Ben là, elles sont en train de se fermer. De la petite arnica. Et donc, demain, je vais aller faire une petite récolte. Je ferai une vidéo. Je dois aller récupérer, ouais, de la prime vert. Il y a deux sortes de primes verts différentes. Bon, ben là, ben voilà, camomille, marguerite. Parce que certaines espèces, on voit bien que c'est plus de la camomille que de la marguerite. Ou de la pâquerette. Et millepertuis, je sais qu'il y en a aussi par là-bas un peu. Je vais aller faire un petit tour demain. Là, je viens de faire mes semis de tomates il y a deux jours. Puis mes semis de chanvre. Et puis on verra ce que ça donne. Pour la tomate, j'ai pris de la Roma, celle qui est bonne pour la sauce italienne, Roma Italia, quoi. Et de la Marmande, quoi. Bon, après, je me suis pas fait chier, vu que je me suis un peu pris tard pour les graines, j'ai acheté du F1, quoi. Ça donnera ce que ça donnera, on verra l'année prochaine si on est encore là pour faire mieux, quoi. Enfin, voilà, les amis. Ouais, une petite vidéo qui devait durer 2 minutes, en fait. On approche des 8 minutes. Putain, qu'est-ce que ça fait du bien d'être en pleine campagne, quand même. Ah, je vous plains, les citadins, je vous plains. Je suis sûr, là, je vais encore avoir 2-3 dislikes juste parce que j'ai dit je vous plains, les citadins, quoi. Nous sommes en vie. Putain, par contre, là, le confinement, c'est un peu la galère pour trouver de la fume. Ah, ben, j'ai trouvé de la fume, mais c'est une autre sorte de fume, quoi. Que j'étais plus censé prendre, quoi, ce qui est marqué en bannière sur ma chaîne. Ah ben, ça dépanne. En attendant, ça calme, on va dire. Mais le jour où j'en aurais pu, on va doubler la dose de méthadone, quoi. Ah, méthadone, quand tu nous tiens, ouais. La drogue a ses méfaits, quant à la mort et ses méthus. Et donc, juste, je vais avoir du temps. Je pense que je vais vous faire une vidéo pratiquement tous les jours ou tous les deux jours. Un coup, ça sera sur les plantes. Un coup, ça sera sur des vidéos. Un coup, ça sera sur des bouquins. Voilà, quoi. Vu que j'ai du temps. Même si ma caméra galère, qu'il n'y a plus de batterie. À chaque fois, je fais une vidéo et puis basta, quoi. Bon, allez, ça se trouve, ça a déjà coupé. Non. Bon, mais ça va couper. J'ai plus de batterie. Allez, ciao, les amis! Naga! Naga! Allez! Allez! Le chuchu! Oh, chuchu!